éducation. Matin, nous avons rencontré avec le ministre de l'Éducation nationale là, pour nous garder ensemble comment nous sommes capables d'aborder ensemble de problèmes qu'a traversé le système éducatif. Là. Et dans le cas ça, ensemble, nous parler, nous discuter sous problème subo, problème prounec, problème lettre de nomination que en pile enseignant dans l'école nationale, dans le lycée Apton. Nous aborder également questions qui liées. Et dans ce sens, nous mettons d'accord sur le calendrier. Nous fixons une séance de travail que nous avons fait ici en Parlement avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Financement, le premier ministre. Séance de travail, ça n'a fait li jeudi 8 février pour nous garder côté problème nous posé. Parce que à chaque intervention ministre, il redit là encore dans la rencontre que nous avons là, presque d'être litigé pour enseignants, presque d'être ça au fin épongé. Mais il arrive que jusqu'à présent, il y a des enseignants qui gagne l'être non même, qui peut toucher ensemble avec lui, n'a pas regardé avec le ministre financier, avec le premier ministre, qui bon problème non, pour être capable de résoudre le problème non incessamment. Nous regardons avec lui tout, sous question, en pile l'école qui délabrée, et nous avons garanti que dans certains départements, il y a un pile marché qui est lancé pour permettre que nous arrivions à reconstruire ou bien construire l'école qui délabre. Nous avons avancé ensemble avec le ministre en tant que président de la commission éducation pour que l'année 2017-2018, problème qui gagne dans le système, particulièrement la question de nomination des enseignants, la question d'arriéré de salaire pour certains enseignants, problème qui gagne dans les FACAPIO, ensemble, nous travaillons pour être capables de résoudre le problème. Dans le cadre, le président, commission éducation au Sénat, donc, et qui sont présents de carrière, donc, invitez-nous, aujourd'hui, pour nous répondre à une question sur un paquet de problèmes conjoncturels. Le problème, ça, c'est d'abord question paiement. Seigneur Psugo, promettre, monde qui est l'être, mais pas touché, professeur qui est dans la salle de classe, qui appelle l'être nomination. Qui réponse nous peut-être à eux-mêmes? Nous avons comme réponse que pour aller 14-15, promettre Psugo, qui sont dettes publiques, ce bagage qui est dans le ministère des Finances, et nous avons déjà écrit le ministère des Finances pour payer dette ça qui c'est une dette publique, j'aime ce dire là. Pour l'année 15-16, plus de 85% enseignants, gardiens, ménagers et autres, sont touchés. Il y a des gens qui ont la nomination qui devraient toucher longtemps déjà. Depuis le budget rectificatif là, l'agence a été là pour être touché. Malheureusement, il y a plusieurs dans le pour qu'on touche. Et nous dit tout, hier nous dépassons le ministère de la Finance, notamment le directeur de l'Institut national de la Finance, quand il voit que il y a 257 pays qui ont touché dans moi ça. Mais sur question de l'auteur administratif, nous disons nous-mêmes tout le ministère, dès que le problème est posé, nous rapidement dresser le dossier, nous voulons aller qu'on peut aller. Question de nomination enseignant. Eh bien, il y a plusieurs milliers d'enseignants qui trouveront des salles de classe sans lettre nomination. Bien que ce n'est pas l'État qui retourne dans la salle de classe, mais il y a quand même comme des victimes. Et nous-mêmes, en tant que ministre, enseignants de l'engagement pour tout nommer. Et pendant ma parole là,
de plus passé 2000 lettres qui ont déjà signé, veillé, acheminé par ONH, la primature, pour être capable de joindre l'approbation premier ministre pour l'école technique et professionnelle, qui est le tête au directeur, qui s'est Magui Doucet. Ça n'a pas longtemps, l'Ital fait chita parler, chita tombe avec tout concerné, mais il y a un problème. Il y a besoin pour y avoir bon gens pour au travail, pour y avoir bon gens local. Mais attention, ça va faire du jour au lendemain. C'est même Magala Pim de Dzarijan qui le prend à lui pour lui dire qu'il a demandé pour reconstruire l'ICEA. Nous d'accord, mais nous dit tout. L'a faire passer revendication, il faut que logique dans nous. Construire une école. Ce n'est pas même j'avais construit un petit pascal pour nous mettre. Pour construire une école, ça demande de temps. Il faut qu'il y ait un appel d'offres qui lancé, il faut qu'il y ait une étude qui fait, on va la commencer. Donc c'est ça qu'on me dit, et la ministre de l'Algérie, pas avant 6 mois, l'État pour être capable de commencer avec la construction lycée. Donc c'est même pour le tout point là, il y a un local, un fils de vous, un an, et pendant la donne, il va fonctionner, nous allons travailler pour l'aide à la vie. Mais la première école professionnelle, il y a tout. Enseignants ont dit que l'autre enseignant joue l'augmentation, ils ont même pas joué. Et bien, tout le bagage ça, ils nous dit que c'est alignement qui vous fait. Et gagner FACAP, gagner école technique et professionnelle. Par exemple, nous avons dit que premier à deuxième cycle et FACAP, pas aucun problème, ils ont touché même l'argent avec tout l'autre enseignant qui fait même travail avec eux, qui est même niveau. Mais nous dit au niveau FACAP, troisième cycle, problème grave et nous connaissons parce que Breka a de plus de 6000 groupes par rapport à eux-mêmes et notre enseignant qui fait même travail qui est au même niveau. Et je dis à le ministère des Finances a travaillé sur ça pour y remettre l'ordre de question pour aligner le salaire pour enseignants. Un rapporteur est nommé par chacune des assemblées. La commission établit un rapport unique à présenter dans chacune des deux chambres. La commission législative bicamérale cesse d'exister après la sanction du rapport par l'Assemblée, sauf décision de chaque exercice fiscal, reçoit le rapport financier et comptable de la gestion du questeur. Elle en vérifie la conformité et l'exactitude et en fait rapport à l'Assemblée qui, après examen, donne ou refuse décharge au président et au questeur de leur gestion. 205. S'agissant de l'administration publique de l'État, les 6 sénateurs membres de la commission en question se joignent aux 9 députés désignés par la Chambre des institutions. La commission bicamérale, la commission parlementaire des comptes généraux et des décharges reçoit le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'analyse et rédige son propre rapport sur la gestion des ministres. Il a dit que le Sénat de la République doit choisir 6 sénateurs. Avant, au niveau du Sénat, il est formé au début de chaque section une commission spéciale de 6 sénateurs dénommée commission des fonds généraux de décharge. La commission est composée de façon à refléter la composition politique du Sénat. Tout à fait. Donc, Il n'y a pas effectivement de bloc inscrit mis à part après. Mais nous savons qu'il y a un bloc majoritaire allié, enfin des sénateurs qui forment une majorité alliée. Et nous avons pensé par rapport à cette liste de faire cette proposition à l'Assemblée. C'est-à-dire que sur les 6 sénateurs, le bloc majoritaire pourrait choisir 4 sénateurs, le bloc a pris un sénateur et un autre bloc qu'on appelle entre guillemets maintenant l'opposition, un sénateur. Je ne sais pas si ça convient à l'Assemblée. Je demande à l'Assemblée. Oui. Le bloc majoritaire sur les 6 sénateurs pourrait faire le choix de 4 sénateurs, a pris un sénateur. Le majoritaire a pris et puis ce qu'on pourrait appeler maintenant l'opposition. Un sénateur qui ferait 6 sénateurs. Donc je soumets cette proposition à l'Assemblée. Pour tenir compte des règlements intérieurs, notamment l'article 204 des règlements intérieurs, je pense que cette interruption, consultation, concertation entre
les différents rapports ont permis d'avoir ceci. Nous avons pour appris le sénateur Ronald Laresch. Pour refléter encore la proposition du Parlement du Sénat de la République, en proposition, il y avait deux candidats, mais le sénateur Nenel Bassim en avait parlé, et c'est le sénateur Valérie Beaublanc qui a une grosse proposition. Il n'est pas là, c'est lui qui est là. Donc, après l'opposition, et pour la majorité, on a la sénatrice Jedon Étienne Mima, le sénateur René Célestin, le sénateur Kétler Augustin, le sénateur Frasner Denius, sénateur Frasner Denius, sénateur René Célestin, sénateur Kétler Augustin, sénateur Frasner Denius, non, ça fait quatre, oui. Et le sénateur Ronald Laresch, le sénateur du Don Étienne Mima. Mathieu, merci pour faire en sorte de commencer après-midi. Hein. Et cette commission d'échange là, que nous formons. Nous formons une commission d'échange là, il faut continuer notre travail. Après, c'est son bon bagage, moi-même, c'est la première fois que je préside une séance. Et je remercie nos rentrés là. Et je souhaite demain après-midi, à 2h, tout le monde est présent pour continuer le travail. Là. Sur ce, la séance. Avec le de loi, surtout et sur ce, la séance est levée. Il est sur le de la ville, Il est sur le de la ville. Premier, c'était que nous étions dans le parti politique, nous avons présenté une simulation financière pour approximativement combien de codes chaque parti doit gagner. C'était 13 octobre que l'exercice a été fait. Deuxième étape, nous avons fait un atelier avec le parti en novembre pour nous expliquer, pour nous prendre un commentaire, pour nous étendre sur comment il y a une question d'institutionnalisation du parti politique. Et ça a été 3 jours de travail qui ont produit un rapport. Qui quand même c'est un résumé de ramasser de tout ça qui est dit en dedans et atelier avec parti politique. Jodian, rapport ça a quitté soumettre par le président de la République là, et fin mois novembre là. Et jodian, nous avons franchi une étape extrêmement importante pour que le gouvernement arrive suivant le rapport qui était produit dans page 15 rapport par rapport à chaque montant. Chaque parti politique en fonction de la quantité élue que le gagne, le gouvernement lui décaissé 3 premiers mois chèque pour parti politique. Donc c'est là que nous aujourd'hui. Maintenant, nous avons fait une cérémonie symbolique dans la primature, là, côté que parti et 4 partis étaient d'accord pour recevoir symboliquement chèque. Mais depuis le lendemain du jour, il y a des partis politiques qui eux-mêmes commencé à retirer chèque. Et nous avons plus d'une vingtaine de partis qui déjà retiré chèque pour capable de collecter chèque là et au besoin et sous son parti politique soumettre un copie et nous sommes capables de reconnaissance légale signée par le ministre de justice qui était baroulé dans l'époque là au besoin copie matricule fiscale parti a et si c'est pas responsable à cabine pour un mandat à monde qui a un chèque là si c'est une plateforme là pour mettre un copie et statut notarié dans le décret 2015 là et certainement matricule fiscale là et avec mon mandat. Pour que ça nous bien, pour qu'il sorte, donc c'est ça que fait et nous mettons ces procédures en place pour faciliter le parti politique pour être capable de récupérer chèque. Combien de partis exact qui nous gagnons un total de 57 partis politiques qui qualifient pour subvention et avec un montant allé de 6,5 millions de gourdes par mois à 100 000 gourdes par mois pour partis qui recevoir du BPTIA. Donc, c'est en fonction du nombre élu. Parti qui a recevoir 6,5 millions, à peu près 6,6 millions, c'est le PHTK qui vient à peu près 2173 élus. Et donc, le parti qui a recevoir moins cela, et c'est le parti qui est sorti, je suis capable de dire, avec au moins ils ont élu dans la dernière élection. Voilà comment les partitions financières. Merci.
Ok, l'objectif là, l'agence ça, c'est aider les partis politiques là lui-même pour que lui renforce tête. Pas oublier que en 1870, deux premiers partis politiques pour un pays, c'est le Parti libéral et le Parti national. Nous sommes capables de 144 ans après, côté que en 2014, nous publions une loi sur le fonctionnement des partis politiques. Loi ça qui est votée en 2012 par le Sénat sous la de Jean-Colbert Alexis, loi ça a été publiée en avril 2014. Eh bien, nous voyons joindre que loi ça aujourd'hui, il faut partir renforcer tête. Et c'est peut-être ça qui est très important. Nous demandons l'État pour créer une instance qui relève le centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques que nous relève CRIP. Wow, institution ça, un bel État qui parle, un bel ministère de justice là, c'est accompagner les partis, aider, renforcer tête, vous avez local, vous faire congrès, vous faire des activités, formation pour membres, formation pour dirigeants, pour que les partis politiques deviennent des réels partis politiques très forts. Et c'est ça qui est plus important. Oui, il y a Baïkob comme au premier pas, mais CRIP là, pour aller pour tourner sur le parti politique, pour poser une question, pour regarder qui ça vous fait en termes de structuration. Et certainement, partis politiques, par exemple, pour rendre compte par l'État, parce que chaque année, à la fin de l'année fiscale, il faut que soumettre un rapport financier qui pourra bien pour sanctionner par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons tout le monde qui est prêt à ce moment à comporter pour les partis politiques par rapport à défi économique Haïti après partie, qui est prêt par rapport à ce moment. Bon, maintenant, c'est que son faux débat. Le pays a plein de problèmes, il y a un grand goût. Le travail qui vous fait, le pablier toute population a augmenté chaque année. Ça veut dire que plus de bagailles a toujours plus besoin. Un parti politique, c'est là pour préparer les gens qui peuvent diriger le pays. Si vous ne préparez pas bien pour prendre de bonnes décisions pour mener un futur pays, les magistrats, former magistrats, les CASEC, les AZEC, ils ne même pas de responsabilité, ils ne pas même qui ça pour faire. Côté pour former, pour apprendre qu'on est l'État, pour que l'arrivée dans l'État pour prendre une bonne décision pour la population. C'est là que c'est dans l'université des partis politiques que nous devons faire travailler ça. Et seulement avec les partis politiques. Il faut que nous local. La majorité des gros partis politiques dans le pays, pas même dans l'État. Donc je dis, je pense que le travail, ça est extrêmement important. Nous n'avons pas qu'à faire l'économie. 58 ans après, pour la première fois que la finance est partie politique, on dit qu'il faut résoudre le problème de l'eau, faut résoudre le problème de santé, faut résoudre le problème d'éducation. Si nous allons là, nous ne pouvons jamais faire. Or, on est l'État fort, on démocratie fort, nous sommes sous institution. Et institution, parmi eux, parti politique qui est un des plus gros piliers de démocratie dans le pays, c'est ça nous dit. Nous dit nous voulons démocratie. Ça veut dire que nous voulons démocratie à l'enfance, nous voulons pilier démocratie au fond, parti politique, c'est des institutions. Donc, dans le cadre de renforcement institutionnel qu'a fait dans le pays, il faut que le parti politique renforce les têtes pour préparer les hommes politiques, les femmes politiques de demain. Pourquoi vous avez un rapport ou des rapports à pas équilibrés? Est-ce que ça va empêcher que la prochaine année fiscale là, ça va empêcher de faire une loi? Ok. Il y a une loi sur le chapitre financement public là. Il y a toute une série d'articles qui prévoient recevoir l'argent d'État, automatiquement responsable du parti ça, ça va président trésorier, devine des ordinateurs. Ça veut dire que même tout, quelque part, il va besoin de charges pour être capable de fonctionner, pour occuper des postes dans le pays. Donc c'est très important, nous pensons que ce bagage est très sérieux. Loi jusqu'à présent nous estimons que c'est une bonne loi. Une bonne application consensuelle de loi qui a fait jusqu'aux prochaines élections de 2019. Même parce qu'après les élections de 2019, on va dans l'application de la loi et sans les dispositions transitoires et pas de quel prétexte pour être dit, dîmes, pas qu'on ait loi à exister, pas qu'on ait loi à être là, pas qu'on ait fait. Donc voilà en gros le travail du comité et que nous-mêmes nous avons préparé pour faire pour la population et pour le pays, pour Haïti et que nous avons travaillé politiquement pour aider à Haïti. Moi, que au niveau de la fusion, nous saluons, nous disons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour qui ça, parce que c'est un bagaille qui est inscrit une disposition constitutionnelle. Que nous a fait histoire autour de cette question-là. C'est une disposition constitutionnelle. Depuis l'élection et constitution 1987, là, des faits, il est inscrit dans la constitution 1987. Pour quelle raison?
nous sortons d'une dictature, nous avons entré dans une démocratie. Maintenant, la démocratie a gagné une bonne concrète là-dedans. Pour qu'à faire la démocratie, pour qu'à avancer, pour qu'à développer, etc., il faut gagner des outils de démocratie. Et un des outils de démocratie, c'est les partis politiques. Parce que comment on va faire une démocratie avancée si les partis politiques sont faibles ou inexistants? Parce que c'est les partis politiques qui pour voter candidat, c'est les partis politiques qui pour convaincre la population pour voter pour eux, c'est les partis politiques pour faire démocratie à marcher. Donc, si la démocratie, si les partis politiques, outil principal de démocratie, inexistant, donc on ne peut pas parler de démocratie. Alors, par analogie, on t'a dit, c'est comme si vous pouvez jouer au match football, eh bien, ou bien ils font un bel match pour nous compter en faire match, et pour une équipe qui est habillée et parfaitement bien avec souliers, crampons et crampons en or, l'autre équipe là, lui-même, l'a gagné. Atelier, il a déchiré, et puis il n'a pas vraiment gagné. Alors, comment on peut faire un bel match? On ne peut pas faire un bel match. Donc, en ce sens, moi, je me dis, c'est une bonne chose. Et m'a dit tout que c'est pour une faveur au fait parti politique. Parce que grand monde qui comprend que oui, et que vous parlez de faveur à président de la République. Vous n'avez aucune redevance à président de la République. C'est une affaire d'État. C'est l'État haïtien, et notre constitution qui dit il y a financé parti, renforcé pour faire démocratie à marcher. Le président n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, le président, c'est tout simplement, mais il n'y a pas même des fous aux bouches là dans ça. C'est tout simplement, on applique la loi. La loi et la constitution. C'est tout. D'ailleurs, nous-mêmes dans Fusion, depuis 2014, chaque fois qu'on au ministre finance, nous écrit, nous demandons comme ça. On répond nous, mais nous écrit quatre fois déjà. Sur la base que nous départis, nous avons gagné. Et 18 députés, nous avons gagné des 24 cadres mairies, etc. Nous avons bon début sur cette base, les voté loi 2014 là, et nous demander application de cette loi par rapport à ces élections là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas répondu. Et nous allons continuer à demander. Deuxièmement, nous dit que comme nous-mêmes n'avons pas accepté, nous n'avons pas accepté sous toute réserve. Pour quelle raison? Loi votée en 2014. Donc, à partir de ce moment, et nous-mêmes, comme fusion des sociodémocrates, qui était à l'élection en 2006, qui était des élus, il faut commencer à payer depuis 2014 à 2014, 2015, 2016, 2017. Ça y est, bah, là, c'est trois mois, non, 2018. C'est une chose. Deuxième et remarque que nous voulons faire, c'est que, faut, nous dit moins, que représente 1% de. Et l'entrée fiscale. Parce que c'est sur cette base-là qu'il va financer parti politique. Et bon, bah, et comme ça, sous l'impulsion ou bien et fantaisie du président de la République. C'est pas ça. Bon, loi qui régit, loi dit, en essayant une constitution, on dit nous donne 3 mois. Ok, d'accord. En termes de prévision, on va regarder qui prévision qui était faite comme l'entrée fiscale pour l'année 2018, on prend. Et divisé le par 12, mais divisé le par 3. Donc, les armes, on dit plus ou moins dans l'ordre. Mais maintenant, il faut payer moins ça 2014, là, 2015, 2016 et 2017. Mais sauf mon Cradel, est-ce que vous êtes capable de dire combien est fusion lui-même qui recevra et qui ça déjà nous-mêmes au niveau et quoi politique ça qui c'est fusion, là, le faire et pour justifier combien? Bon, première question, on va pas répondre parce que nous, on est. On est combien combien. Deuxièmement, nous-mêmes, qui ça nous que nous sommes pas donné, un, nous dit il y a un problème de local pour régler. Parce que si nous sommes parti national, un parti qui a vocation nationale, pas une vocation, c'est-à-dire moi, je suis parti qui a une dimension nationale, c'est-à-dire sous tout pays. C'est-à-dire, idéalement, il faut un lien local depuis les sections communales jusqu'au niveau de la capitale. Donc, premier bagage que nous devons faire, c'est chaque département est dans les principales communes. Mais premier objectif que nous avons.
second local dans chaque département et dans les principales communes qui viennent dans le pays. Et l'objectif fondamental final, c'est arriver dans toutes les sections communales. Pour qui ça? Je dis à ce que vous voulez développer des deux. Gagner une infrastructure pour gagner en tant que parti politique. Faut gagner un côté que mon Dieu a réuni, d'une part. Faut d'un côté, si on voulait inscrire dans le parti là, la venir, la venir, qui pour balle et formulaire et description, qui pour balle statut parti là. Qui cap dit mais comment parti a fonctionné et leur fini qu'on y a leur fini tout bas élément ça et qui capable de délivrer après que le fin fait formation pour nous il un cap de membres. Vous comprenez bien? Deuxièmement, nous faut pour faire ça dans tout le cas ça il faut des membres, c'est-à-dire faut des membres qui m'employer, c'est pas des membres qui viennent faire bénévolat, faut au moins 2-3 membres qui nous employer. Si on y a 10 dans 10 départements, ça fait déjà minimum 30 à 40 000 que nous allons employer comme des permanents. Ensuite, on va gagner, ça va capter tout un réseau de formation et sur tout le territoire national. Ça encore former nous au niveau. Donc c'est tous ces dépenses que nous allons. Tu vois, au moment des élections maintenant, pour aller leurs dépenses en termes de photos, de ceci, de campagne, une bonne histoire comme ça. Donc, voici une majorité qui ça qui prend le côté comme ça pour le passer. Donc, c'est dans ce sens que moi, je dis c'est une bonne chose, dans la mesure que la plupart, pas du tout, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes, que le parti qui est responsable, capable d'utiliser Fonsaïo pour construire effectivement un outil qui a fait démocratie à marcher, qui a fait que la population sorti pour la voter. On a cabré l'existence parti politique en Haïti, mais tout pour l'insérialisation parti en général qui eux-mêmes pas gagné assez de bras vraiment ou bien pas gagné assez de reins pour eux ta capable résister pour être capable rentrer en tekadi adhérent yo dans de formation pour être capable aller sur le terrain pour évaluer tout ça m'ta cabré les réalités et structure là yo et pour nous autres Haïti en action nous pensons que pour ça que gouvernement fait pour l'assister parti politique yo, c'est quand même quelque chose positif. Dans le sens c'est que support ça li bienvenu parce que nous-mêmes nous t'ai déjà lancé processus restructuration parti a et nous pensons que ça a permettre que nous renforcer li raffermir tout dans direction que nous voulons aller. Nan ki ça nous pensons que l'agence ça li pral utile parti politique yo. Bon et connait chaque parti politique gagne en façon que yo yo sur le terrain gagne en façon que yo comprenne politique là tout pour nous mêmes Haïti en action nous pensons que parti politique en général doit former de véritables adhérents que le gagne pour faire que c'est quand même une école qui que le gagner qui capable venir petit à petit influencer ça n'a qu'à briller l'état ou bien société et pour nous même pour ça fait li doit fait dans de formation et pour ou faire formation faut qu'on fait dans tout pays et pour faire dans tout pays a ou besoin de moyens ou besoin de fonds vraiment qui capable aider au fait déplacement. Donc ça pour nous même c'est un bagage qui très important ou bien qui bienvenu dans moment. Deuxième bagage encore nous pensons que parti autour gain de bureau que yo besoin gagner de monde tout que ou gain en dedans yo qui capable toujours faire bénévolat mais gain de monde tout que yo capable créer ça n'ta cabreler un salaire pour permettre à ce que monde ça cap travailler en dedans capable joindre. Donc nous autres Haïti en action
et fonds ça nouvel comme un fonds qui pral aider dans Santa Cabrelle restructuration hein? Un fonds qui pral aider paraître ou du moins rentrer plus proche peuple là parce que nous-mêmes existence nous li nous te ka di marcher à Santa Cabrelle changement existence nous li marcher à Santa Cabrelle yon changement la société a. Nous te dit là va nous fait c'est là n'a vive faut que nous changer là et c'est au nom de idée ça c'est au nom de idéal ça que plusieurs jeunes dans la Tibonite te mettent tête ensemble pour changer département la Tibonite et puis devant de la Tibonite en action nous va venir Haïti en action avec toujours même dévouement toujours même vision toujours même objectif pour nous changer pays et pour nous-mêmes nous pensons que nous font comme ça qui a loué à parti politique qui a loué à nous-mêmes il qui permettre que nous atteignons un nous capable river former ou bien faire école à des adhérents que nous gagnons deux il capable permettre à ce que nous gagnons de véritable administration bien structure dans presque tout département pour ne pas dire tout pays. On connaît nous avons une population qui est diversifiée en matière de compréhension puisque nous avons plusieurs classes. Donc, il y a des gens qui ont une démarche, ça, une démarche de structuration, de formalisation pour les partis politiques. Comme ça, tout le monde qui est capable comme yo mauvaise gestion des fonds publics et surtout à vulnérabilité population. Donc, qui ça Jimmy Diversin est capable d'expliquer population vis-à-vis de fonds que l'État lui-même lui mettait à disposition parti politique. Bon, moi-même, moins capable de dire comme positivisme, moi pensais que et moi crois que fonds ça dans tout pays organisé, l'État a toujours fait toujours battre parce que li assister parti politique yo parce que quel que soit raison faut que nous d'accord que parti politique yo existence yo lié à Santa Cabrelle prise du pouvoir et là où prend pouvoir ou doit prendre pouvoir avec un minimum de formation politique qui cap permettre ou connait côté pour aller qui soit pour le faire et qui cap permettre qu'on comprenne et qu'on ait pays a d'où comme ça que l'État baille parti politique yo pour nous autres comme ça li a aidé parti politique yo dans sens Santa Cabrelle former membre yo et membre yo qui plus tard qui pral prendre de direction dans l'État dans société que nous gagnons pour faire que yo même yo capable de déposer en même de changement parce que pays a li nous besoin Santa Cabrelle former société à former citoyens pour nous capable comprendre que là c'est là nous faut que nous militer pour changer et un groupe une institution une organisation qui doit bataille pour changer réalité qui doit bataille pour changer mentalité moun yo d'abord c'est parti politique qui c'est de véritable école nous capable dit côté yo capable former de moun pour yo al prendre ou pouvoir et non nous penser que comme ça li objectif li pour moi même wel comme un fonds qui vini là qui pral aider l'état puis devant le que parti politique yo bien utiliser dans le sens que yo capable institutionnaliser tête yo capable structurer tête yo fait que yo vini de véritable institution qui capable répondre à défi que nous gagnons dans la société. Après plus que 70 ans de bataille, moi février cap vinn là fait zone ça 2 ans 6 mois depuis au commune. Malgré toute démarche, toute promesse campagne président Jovenel de faire jusqu'à présent, nouvelle commune ça beaucoup jambe administration dans tête qui pour gérer. Malheureusement, nous faisons un constat qui triste mais qui tourne un principe dans pays là de ne pas prendre la rue, l'état central oublié. Population toutes six nouvelles communes Zayo, qui c'est Montoui, Biancourt, Mafran, Baptiste, Fondé-Blanc et La Pointe, pour faire l'État haïtien songer, ils décident de prendre la rue. Nous-mêmes étant groupe organisé,
qui connaît qui problème ça cabay dans stabilité pays a nous décider anticiper pour nous dire président en attendant gagner élection pour lui prendre responsabilité lui pas pour prendre responsabilité parce que seulement il était mettre jeune ça elle vive la faire la rendre commune opérationnelle mais c'est pour prendre responsabilité étant garant bonne marche institution pays a. Donc, j'ai écrit dans l'article 66 de la loi PIA, toute commune doit administrer par un conseil municipal de 3 membres. Président de Dille, comme moi-même, mon cher Simon, oui, le dernier jour de campagne, il est allé en octobre, il n'est pas dans la commission. Mais je dis à tous les 6 communes, décider pour prendre la rue, pour dire pas dans la commission. En attendant de faire l'élection, il faut qu'il y ait des instances qui viennent dans la élection faite, mais il faut qu'il y ait un conseil municipal qui pour gérer vite ça, qui crée un peu de panique par rapport à la zone ça qui est toujours payé sur compte communauté. Les gens qui ne veulent pas faire 4 sur compte communauté. Donc nous avons toute panique ça va poser. Et ça fait dire, nous prenons la rue, si ce nouvelle commune qui est Mafran, Liancourt, Maui, Baptiste, Aclapointe. Pour dire que le président prend responsabilité parce que je le dis à l'État dans la rue, et bien je le dis à la commune dans la rue. Nous estimons que les taxes pour les nouvelles communes n'ont pas jamais rentré. Non, jusqu'à présent, les taxes communes tout aller sur la communauté. Donc il y a plus de monde dans la zone qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas payer, donc l'espace. Certainement nous sommes prêts pour nous participer, mais c'est aujourd'hui pour nous commencer nos barèmes. Ce n'est pas une élection par être là pour nous barèmes. C'est l'élection faite dans un an, nous sommes préparés là pour nous. Mais si on quitte comme ça, et pas pendant toute l'autre zone qui dégage une structure pour préparer pour nous, l'autre zone qui dégage une structure, nous ne pouvons gagner. Comme on fait une structure pour nous faire l'élection dans la zone. Et ça fait nous demander, nous anticiper là pour le président pour responsabilité, pour préparer la zone pour l'élection qui a fait là dans la prochaine élection qui va être faite là. Jeunes à l'élevée en commune, 5 août 2015, et le gouvernement Matéli-Paul a décidé après 70 ans de bataille, et nous voulons rappeler tout le monde qui a c'est une bataille tous les 6 communes ont été faites pour devenir une commune. Donc je dis encore, la population a décidé même pour une bataille pour opérationnelle. Nous-mêmes, nous comptons ça, ça veut dire, les populations ça a dit à sortir, et ça fait nous prendre anticiper. Mais c'est une bataille, 5 août 2015, pour le gouvernement Matéli-Paul a décidé pour faire les jeunes à la commune dans un décret. Donc il faut dire que commune ça a sorti dans 5 départements différents. Et ma foi qui va porter dans la sortie de Grand-Danse. Il y a encore mon sorti à Tibonite, Baptiste sorti le plateau central, la pointe sorti nord-ouest, et puis ma fondeur blanc sorti nip. Pardon pour dire pour nous sortir dans la zone de la difficile, je dis à côté de là malheureusement, mais son bagage qui concerté. Mais ça faut après, nous ne disons nous disons, son bagage qui concerté, sinon tous les 6 communes nous parlons. Je dis à la c'est anticiper, d'anticiper. C'est ça nous avons venir comme répercussion que nous anticiper aujourd'hui. Je dis à la population que nous avons décidé pour nous-mêmes prendre la rue. Donc, le fait qu'ils ont décidé de prendre la rue, nous-mêmes, nous dit, comme nous sommes sur papier, son acquis, son bataille, par 70 ans, il n'y a pas d'exister seulement sur papier. Donc, nous-mêmes, ont décidé de prendre la rue. Nous-mêmes, nous sommes anticipés pour éviter de prendre la rue pour le président par responsabilité. Et nous, sur certains présidents, nous sommes présidents responsables par responsabilité. Et après, nous avons constaté et dit sur une commune depuis son amphi. Et là, nous venons aussi. Et la décision politique là, c'est venu prendre, ou bien tout dégât a été posé, Akaya a été dit lui-même, il y a 65% de sortie dans la zone ça, à Doumon, oui, et c'est un bref qui a été baillé, c'est ma Akaya avec Akaya Tété, mon gardien bénéficiaire. Donc, nous sur certaines zones ça, c'est une plus grande, c'est une section communale, mais si après 10 communes qui ont pile recette, et même là, avec toute notre commune, nouvelle commune, là, oui, c'est une commune qui gagne pile pour les recettes. Et on dit touristes, surtout dans touristes. Et ces zones, actuellement, là, en Haïti, que je vois plus touristes, à part des moulins sur mer, mais des camions qui viennent pour t'en pile à pile tout le monde dans la base de touristes, sans pas citer toute la chaîne d'hôtel nous gagnons. Mon idée est à cheval des départements, nous c'est à Tibonite. Mais toutes conditions que tu es venu pour te faire zone de la commune, là, et c'était sur notre zone à Tibonite. Exactement, je dis à mon commune dans Tibonite.
Mais côté moi, j'ai fini dans la zone sud là, qui c'est là qui pose le problème là, c'est la pointe. 1952, il y a une délimitation qui était faite par le cadre graphique qui était fait par l'armée américaine. Moi, j'ai fini plus que dans ce que j'ai décidé de mon IVA. Mais nous n'avons pas dit nous définir nos zones zone sud là. Mais dans la zone nord, c'est Montanga, et dans la zone Saint-Marc, dans Montanga, donc zone Pierre Bahin, c'est là où on finit. Mais dans la zone sud là, nous devons nous définir, et sinon nous devons dire sous scrutin. Nous créons ensemble, et situation administrative nous pareil. Et à ma France, soit Liancou, ou pas Benoît Bec, ou pas Benoît Bironi, et avant, commune ça y te dépend de l'autre commune, tant que ma France te dépend de Jérémy. Et si pas une élection, tu as supposé qu'on délocalisation qui fait. Mais c'est pas demain matin, on va le faire. Taxe ma France jusqu'à présent par Jérémy. Et sous ma France, après c'est seulement mairie à camper. Et mairie à son citoyen prêté pour mettre coton caille pour faire. Et le civalable pour Montoui, le civalable pour Liancourt et pour bâtir ces populations locales là qui a offert l'État service. Mais malheureusement, l'État n'a pas venu. Et nous avons un an depuis d'installer en commission. La commission n'a pas existé encore, mais on parle de présence de l'État. Si tu as un cyclone Mafran, ou bien Montoui, ou bien Baptiste, ou bien La Pointe, ou pas bien que les fonds civils ont travaillé pour agir. Et si tu as un budget pour eux, ils pourraient le faire en tant que section, ce n'est pas en tant que commune. Donc c'est une inquiétude que nous gagnons en tant que citoyen responsable. Parce que c'est garant, bon match sur l'institution. Ce n'est pas un problème lié. Et nous devons avoir deux communes encore. C'est pour ça que nous groupe des 6 communes nouvellement créées. Nous avons porte-parole qui c'est au risque, n'importe qui est capable pour nous 6 là. Et après que le WI, c'est une réunion qui baille ça. Géographiquement par là, c'est 3 sections formelles. C'est Ravine Achal, Île Blanche et puis Mafran. Et nous limitons par la commune de Jérémy, ensuite commune de Bonbon et commune de Moron. Et ensuite, c'était section Guinodée de Jérémy. Mais en termes de délimitation, il n'y a pas tellement de problème pour Mafran. Parce que c'est 3 sections communautaires qui ont déjà une délimitation par eux. Donc c'est seulement 3 sections qui ont mis ensemble qui viennent par eux, communes qui sont 116 km². 116 km². Oui. En matière de potentialité, comment France soit bâtie? Bon, en termes de potentialité, ma France fait un pile miel. Et nous sommes les seules communes dans le département de Grenoble qui ont une école normale d'État, l'école normale de ma France, que tout le monde la connaît. Et le fort de ma France aussi se trouve à ma France. Bon, ça c'est dit le fort de ma France. Ma frère, tous ces côtés, il y a un plus gros marché dans le département de qui fait le jour mercredi. Et tant d'autres, mais nous avons un potentiel. Si tout le monde sait que le match est passé, il y a une équipe et un potentiel que ma frère a dit, mais qui pourra le reprendre. Si toutefois que l'État a prévu. Moi, un an que nous étions dans le stade d'Ambrionnaire, et que les gens ne sont pas supposés là, si l'État a fait travail, on sait encore une commune depuis 2 ans, jusqu'à présent sans autorité. Et il y a une décision qu'on prend, une décision qu'on prend là-dedans. Sous commune Jérémy et ma France traite en tant que section jusqu'à présent. Et même soit l'intérieur ou à Poitrin. Donc, en souffrance, le fait que, en tout cas, ouais, et réalité, et... Bon, et par souffrance seulement, imaginons une bataille, 70 ans de bataille, et l'aile matérialisée, matérialisée sous papier. Et ou pas qu'on est que l'arrivée de ma France, bon mérite seulement. Mais mis à part de ça, par exemple, papier, dit ma France. Donc c'est tout ça qu'on a demandé. L'État pour mettre structure, pour ne pas reproduire une situation Cité Soleil et tabac qui était fait, qui créé et qui développe de manière anarchique. Si commune dans commune, il existait l'État venu pour faire plein d'aménagements. Mais c'est pour un particulier quoi le faire. C'est tout ça qu'on a demandé l'État.
c'est une situation catastrophique qui dénigrante et magistrat nous député sénateur dans un pays. Il pas ta doué comme ça, il pas normal pour nous vivre une situation pareille. Mais étant donné que l'État haïtien pas gain rien offri avec peuple avec Haïti avec haïtien, nous obligés malgré fatra malgré l'eau saleté vieux mauvaise odeur, machin nous obligés risquer au brave danger, on vient chercher la vie parce que si monde pour voir l'école, caille pour payer, radio si c'est la bagarre pour occuper, il pas gain le choix et nous obligés nous-mêmes nous mettre nous dehors pour venir chercher des goudes, même si fatra même si vieux de l'eau mauvaise, nous venons obligés nous dans la rue n'a dégager nous. Mon cher canal ça ça t'a dû fait pour lui, c'est un travail en urgence. Côté que tu as dû gagner un groupe de monde qui gagne barco l'odeur, pelle propre et maintenir un groupe de monde même pour propre a toujours été tenu pour que un propre permette à ce que de l'eau a couru, faire un curage normal pour de l'eau a couru et pour peuple lui même cap défendre ni là pour que j'ai un moyen pour respirer et bien. On ça dépend parce que mon yo vend figure cher. Mais si ça va ba 80 goud, je va avoir moins. Soit les 3 ou 5 dollars avant ni 10 goud, fait 5 goud. Est-ce que ça pas interpellé ou puisque figure yo installé bon côté fatra tout ça? Oui, ça va faire nous plaisir, mais c'est là nous gagnons pour nous acheter. Nous devons acheter là. Est-ce que nous l'avons fait, nous rentrons la canon ou encore? Oui, nous l'avons même tout marché avec le Clorox. Même là, nous avons acheté là, maintenant nous toujours lavé, nous voyons maintenant. Nous avons mangé tout, nous lavé tout. Bon, depuis 5h30 du matin, nous sortons qu'on a traversé. Je ne sais pas si je suis là. Le rivé, même les états bien propre, ils obligent aux malades. Parce que ils ne pas prendre même symptômes. Non. Parce que la maladie a des gens dans eux, parce qu'on est dans le pays d'Haïti, un pays soleil, la maladie ne doit pas pénétrer dans mon âme. Mais le rivé dans l'autre pays, on vient expirer l'autre l'air. Ça cause qu'on fait une série de gros maladies. Donc, nous conscients que. Fonctionner sous fatra, il y a des conséquences graves sur santé, nous, mais malgré ça, nous. Oui, il y a des conséquences sur santé nous-mêmes, parce que fatra est à côté pour le monde à vivre. Mais malgré ça, nous fonctionnons là-dedans. Bon, nous sommes obligés de fonctionner comme ça, parce que nous-mêmes, si nous-mêmes, nos organisations, nous avons des camions, nous avons l'odeur, nous avons des cafés, mais nous avons l'odeur, nous avons des possibilités. Nous sommes obligés de fonctionner là-dedans comme ça. Qui dit la vie? Je suis. Gardez-vous, c'est une originalité télécom.